Vous êtes dans BBC Info, bonsoir et bienvenue, voici les titres. Pierre Nkurunziza est mort suite à un arrêt cardiaque. Le président du Burundi était hospitalisé depuis samedi soir. Les funérailles de George Floyd à Houston, des milliers de personnes lui ont rendu un dernier hommage. George Floyd sera enterré aux côtés de sa mère. Et puis, comment l'affaire George Floyd résonne-t-elle en Afrique? Nous vous proposerons un tour d'horizon des réactions sur le continent. Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, est décédé à l'âge de 55 ans d'un arrêt cardiaque. Il avait été hospitalisé 2 jours plus tôt dans le centre du pays après avoir assisté à des matchs dans un stade près de chez lui. Le gouvernement burundais a annoncé 7 jours de deuil national. Pierre Nkurunziza s'apprête à céder le pouvoir au président élu Évariste Ndayishimiye en août après avoir gouverné le Burundi pendant 15 ans. Son portrait, signé Caroline Loyer. Il aura passé 15 ans au pouvoir. Une vie jalonnée d'événements marquants. À l'âge de 8 ans, le jeune Nkurunziza perd son père, Hutu, député au Parlement, assassiné lors de violences interethniques en 1972. Sa mère, Tutsi, survivra au massacre. En 1995, alors que le Burundi a replongé dans la guerre civile, Pierre Nkurunziza rejoint le Conseil national pour le développement et la démocratie, le CNDD. Grièvement blessé à la jambe, il survit après 4 mois dans les marécages. La même année, son frère est assassiné. Pierre Nkurunziza rejoint alors les forces démocratiques de défense, le mouvement militaire Hutu contre le pouvoir Tutsi en place. En 1998, il est condamné à mort par contumace par un tribunal burundais pour avoir posé des mines terrestres, mais bénéficiera d'une amnistie. En 2001, il se retrouve à la tête du FDD, qui se transformera en parti politique. Pierre Nkurunziza est élu à la tête du pays 4 ans plus tard, en 2005, par le Parlement. Un parlement issu de l'accord d'Arusha qui consacre le partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi. Son premier mandat coïncide avec le retour de la paix au Burundi. En 2009, le dernier mouvement rebelle encore actif, le Front National de Libération, dépose les armes. Une armée nationale est formée avec l'intégration des anciennes forces rebelles. En 2010, Nkurunziza est élu au premier suffrage universel depuis 1993, mais le scrutin est boycotté par l'opposition. 5 ans plus tard, en avril 2015, l'annonce de sa candidature à un troisième mandat plonge le pays dans le chaos. Les violences font plus de 1200 morts et 400 000 déplacés, selon les estimations de la Cour pénale internationale. Pierre Nkurunziza devait officiellement céder le pouvoir en août prochain à son dauphin, Évariste Ndayishimiye. Il laisse derrière lui un pays où 7 personnes sur 10 vivent avec moins d'un dollar par jour. L'ancien chef de l'État avait 55 ans. Et suite au décès du président Nkurunziza, c'est le président de l'Assemblée nationale burundaise, Pascal Nyabenda, qui prêtera serment en tant que président par intérim, en attendant la cérémonie d'investiture du président élu Évariste Ndayishimiye. Houston rend hommage à George Floyd, celui dont la mort a déclenché une vague de protestations mondiales contre les violences policières. Elle est inhumée aujourd'hui dans la ville texane où il a grandi. La cérémonie se tient en ce moment dans la plus stricte intimité familiale. Hier, des milliers de personnes ont pu saluer sa dépouille. Regardez ce reportage d'Olivier Weber. De longues heures durant, ils ont défilé lentement pour saluer la dépouille de George Floyd. La plupart ne le connaissaient pas personnellement, mais tous se sentaient profondément liés à l'homme qui est devenu un symbole des inégalités raciales en Amérique. C'est très émouvant de le voir en personne, de voir ce dépouille dans le cercueil, ce sent qu'il est mort sans défense, sans personne pour l'aider alors qu'un genou de policier écrasait sa nuque, c'est horrible. De voir quelqu'un dont on a pris la vie de cette manière, c'était important pour moi d'un point de vue historique. Ceci était la dernière cérémonie publique avant les obsèques privées ce mardi, réservées à la famille et aux proches. La dépouille de George Floyd reposera dans un cimetière de Houston où se trouve déjà la tombe de sa mère. Merci à tous de votre attention. Toutes les familles avec nous aujourd'hui, celles de Michael Brown, d'Eric Garner.
Darnoir Aberry, Brianna Taylor, nous souffrons tous, mais merci à tous. Nous obtiendrons justice, nous ne céderons pas. L'ancien vice-président Joe Biden, candidat à la présidentielle, s'est rendu au Texas auprès de la famille de George Floyd. Pendant ce temps, à Minneapolis, la ville où il a été tué, le policier inculpé de meurtre a comparu pour la première fois devant un juge, par vidéo depuis sa prison. La caution de Derek Chauvin a été fixée à plus $1 million. Enfin, à Washington, des parlementaires démocrates ont posé un genou à terre et proposé une loi plus contraignante envers les forces de l'ordre. Selon les sondages, une majorité d'Américains, noirs et blancs, disent qu'une réforme de la police est une étape essentielle vers plus de justice sociale pour les Afro-Américains. Après la colère et le deuil, le temps est aussi à la revendication politique. La vague d'indignation provoquée par la mort de George Floyd n'a pas laissé le continent indifférent. L'Afrique a surtout réagi à travers les réseaux sociaux. Mais dans quelques villes, des manifestants se sont rassemblés pour relayer le message du mouvement Black Lives Matter. Le point avec Lamine Nourizine Kankobo. Une centaine de manifestants, et bien c'est loin de foules compactes qui ont déferlé dans les rues à Londres, Paris, Rome et Bruxelles. Mais c'est assez symbolique de la solidarité du continent avec les Afro-Américains. Is that what you want to do? Ici à Johannesburg, manifestation à l'appel du Parti d'obédience communiste de Julius Malema. Sur les pancartes, le même hashtag devenu célèbre depuis le 29 mai, We can't breathe. Ici, le verbe est haut et radical, presque la même tonalité de colère entendue à Minneapolis. Nous sommes ici devant les bureaux de meurtriers qui pensent avoir le pouvoir de nous dire comment nous devons nous comporter. Les Africains, les Noirs ne sont pas des sous-hommes, ce sont des êtres humains ordinaires. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas soutenir Black Lives Matter et continuer à avoir une opportunité de détruire une autre personne noire. Loin de Johannesburg, à Nairobi, au Kenya, l'une des premières manifestations sur le continent. C'était le 2 juin et c'était également devant une représentation diplomatique des États-Unis. Le ton est moins radical, mais l'indignation la même. Nous sommes d'horizons divers, mais nos luttes ne sont pas si différentes. Nous sommes donc solidaires et nous continuons de dire que l'oppression systémique et les préjugés raciaux et les structures raciales doivent être démolies. Accra, l'une des tangentes de l'indignation suscitée par le meurtre de George Floyd, c'est l'appel de ces manifestants à une union des Noirs du monde entier. Un appel bien reçu par Alexandria, Noire américaine qui était parmi les manifestants. Il se passe des choses dans mon pays en Amérique que je dénonce ici au Ghana, parce que vous êtes tous avec nous et nous sommes avec vous. Nous sommes tous des Noirs, nous sommes tous des Africains et nous exigeons simplement le respect, l'unité, la justice, l'égalité, l'équité, tout. Nous ne serons plus silencieux. Johannesburg, Nairobi, Accra, des expressions diverses d'un activisme africain qui se retrouve au détour d'une occasion tragique sur un même terrain, celui de la dénonciation d'un meurtre commis à des milliers de kilomètres du continent. La parole est à vous maintenant. Vos témoignages sous l'affaire George Floyd depuis les États-Unis, la France et le Sénégal. Oui, en fait, je voulais dire que face à la situation à laquelle George Floyd a été confronté, ce n'est pas seulement une cause des Noirs américains. Cette cause-là nous rappelle que nous avons du chemin en ce qui concerne la lutte contre les droits humains. Hello BBC Africa, c'est Sandra Massamba, basée à Paris. Pour ma part, quand je vois ce qui s'est passé pour George Floyd et Adama Traoré, je considère ces actes vraiment comme des symboles de haine. De haine envers la communauté noire. Alors pour que cela ne se reproduise plus, disons stop. Stop au racisme. Stop à ce fléau que nous devons tous combattre ensemble afin de laisser place et dominer l'humanisme et l'égalité des droits de l'homme. Samba Diopane, je suis du Sénégal. Je voudrais d'ailleurs présenter mes condoléances et présenter les condoléances du peuple sénégalais à la famille de George
et dire que ce qui se passe aux États-Unis, c'est déplorable, vraiment. Mais cela date depuis l'Antiquité. Le racisme fait partie donc de l'ADN des États-Unis d'Amérique. Hier, j'ai même eu à lire une étude qui disait que, donc, d'ailleurs, l'étude a été publiée en 2019, qui disait que donc 2,5 des hommes noirs ont plus de chances que les hommes blancs d'être tués par la police. Et si vous aussi, vous voulez partager avec nous vos témoignages par rapport aux manifestations contre le racisme, ou nous parler d'un autre sujet d'actualité, du coronavirus par exemple, envoyez-nous vos vidéos sur WhatsApp. Le numéro s'affiche sur votre écran, c'est le plus 44 75 68 60 89 79. Dans le reste de l'actu, au moins 20 migrants africains sont morts dans un naufrage au large de la Tunisie. Ils avaient embarqué dans un bateau transportant plus de 50 personnes dans le but d'atteindre l'Italie. Un nouveau drame qui démontre une nouvelle fois que la crise des migrants en Méditerranée n'est pas terminée. Selon l'ONU, des centaines voire des milliers de personnes disparaissent toujours en mer. Et les bateaux des ONG ont du mal à intervenir en raison des restrictions liées au coronavirus. Méditerranée, la crainte des naufrages invisibles, c'est un récit de Claire Onemendi. Hello, can you hear me? We are calling from a boat. We are migrants. We are migrants. Please, we are in danger. We are in the middle of the sea. Right, tell me, information, how many people are you in the boat? We are 90 people, 91 people. Usually. D'habitude, quand ils nous appellent, le bateau est toujours en marche et en mouvement. Et là, ce n'était pas le cas. Carlos et Jacinta sont bénévoles pour une ligne d'assistance qui répond aux appels des bateaux en détresse en Méditerranée. Le processus est simple. Nous recevons l'appel et puis nous demandons leur position et ensuite nous contactons les gardes-côtes. Mais cette nuit-là, ceux qui étaient censés coordonner le sauvetage ne répondaient pas. Le bateau était dans les eaux libyennes. Ils ont essayé 6 numéros différents pour joindre les gardes-côtes libyens, mais sans succès. Puis, ils ont appelé le centre de coordination des secours à Rome. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, c'était de plus en plus clair que personne ne viendrait les sauver. Ces gens vont mourir. Il n'y a aucune chance qu'ils soient secourus parce que personne ne décroche son téléphone. J'ai demandé d'où ils venaient. Et j'ai demandé ça en partie pour pouvoir les retrouver plus tard. Mais aussi parce que je m'inquiétais vraiment pour eux. Et je ne voulais pas qu'ils restent des anonymes. Il y avait le fils de ma sœur, pas seulement le fils de ma sœur, il y avait le fils de mon oncle, le fils de ma tante. J'avais 10 membres de ma famille dans ce bateau. Cet homme connaissait 10 personnes à bord. Mouzamil était son neveu de 18 ans. Il rêvait tout le temps, il parlait tout le temps. Il voulait aller en Europe et y être médecin. Il aimait la Grande-Bretagne, il aimait tellement le Royaume-Uni. Il disait vouloir tenter d'y aller par la mer. Je lui ai dit que ce n'était pas le bon moment pour prendre la mer. Il a décidé d'y aller. Mouzamil, il nous manque tellement, il nous manque tellement. Bien sûr, vous ne pouvez pas leur dire que tout va bien se passer parce que vous savez que cela peut ne pas bien se passer. Nous parlions à l'homme et il criait. Il disait qu'il y avait des gens dans l'eau et puis on ne l'a plus entendu. Nous avons essayé de contacter le centre de recherche et de sauvetage italien pour savoir ce qui était arrivé à ce bateau. Mais la seule chose qu'ils pouvaient nous dire était qu'ils avaient échangé des informations avec d'autres centres de sauvetage. Selon Alarm Phone, les gardes-côtes libyens leur ont affirmé qu'un bateau avait bien été envoyé 7 heures après l'appel initial. Nous avons essayé d'obtenir plus d'informations de la Libye, mais les gardes-côtes n'ont pas donné suite à nos multiples tentatives. Et avant de nous quitter, on revient sur les funérailles de George Floyd à Houston. 500 personnes au total. Voilà des images en direct. Outre la famille et les amis proches de George Floyd, plusieurs personnalités publiques sont présentes, dont l'ancien champion de boxe Floyd Mayweather, qui finance l'enterrement. Le révérend Ash Upton, figure de la lutte pour les droits civiques, est également présent à l'office. On se quitte sur ces images. Bonne soirée à tous. To the clergy and the leaders of faith in America.